Amadou, c'est une grosse satisfaction ce soir. Oui, ça fait du bien de gagner, de la manière dont on a gagné ce soir. Et ouais, ça fait du bien. La semaine dernière, on a beaucoup parlé de manque de motivation, d'envie, etc. Est-ce que vous êtes parlé entre vous, les joueurs, en début de semaine, pour essayer d'améliorer tout ça? Ouais, on s'est parlé un peu. Et on fait ça chaque début de semaine, lundi. On se parle un peu, on discute, on parle du match un peu. Tout le monde donne ses avis et leur avis. Et du coup, on commence la semaine et puis on travaille sur ce qu'on a parlé et puis ça, on améliore. Oui, justement, qu'est-ce que vous vous êtes dit par rapport aux attitudes, hein? C'est surtout ça qui a fait défaut contre le Portel. Oui, on s'est dit de rester positif. Comme vous avez vu ce soir, on était positif. C'était bien. Bon, ce soir, on a retrouvé des valeurs collectives. Hein, ce qui t'a permis de réaliser un grand match, parce que tout seul... Ouais, tout seul, c'est impossible. C'est impossible. Ouais, c'est impossible. Avec les passes de Thomas, de Robert et aussi de Bruno, ils m'ont trouvé, j'étais libre et Dieu merci, je les ai mis. Ouais. Il n'y avait rien qui pouvait t'arrêter ce soir. Ouais, c'est passé. Les trois points, c'était nul. Du coup, j'ai commencé le match, j'ai mis deux de suite et ça a un peu ouvert le match pour nous. Et pourtant, vous avez un début de rencontre encore difficile. Ouais, on a eu quand même 10 ballons perdus, je pense, au premier... Premier quart-temps. Ouais, premier mi-temps. Et je pense 3 ou 4, deuxième mi-temps. Comment tu l'expliques? Parce que vous aviez l'envie, mais là... Ouais, c'est coach, hein. Il nous parle, il nous dit de jouer à notre rythme. Si on est chaud, on joue vite. Si ça commence à casser notre rythme, d'aller un peu doucement et puis prendre un peu de temps à jouer. Ouais. Bon, vous avez une belle réaction dans le deuxième quart-temps. Ouais. Tout le monde est prêt. Notre discours que le coach a donné au mi-temps, c'était incroyable et puis tout le monde a bien réagi. Ouais. Ouais. Tout le monde a tiré dans le même sens ce soir. Ouais. Il reste encore des matchs importants parce que là, c'est qu'une étape. Ouais. Hein, il faut continuer dans cette même voie, avoir le même état d'esprit. Ouais. C'est un peu ce que tu as envie de dire à tout le monde. Oui, ouais, je pense que tout le monde le sait. Et on va continuer à bosser. On a, je pense, 6 matchs ou 5 matchs. On va continuer à bosser. Oui, je sais qu'on a des matchs importants aussi à jouer. On va continuer à travailler chaque semaine. Avec ses attitudes. Hein, avec tes attitudes positives. Voilà, ça peut, ça doit apporter le maintien. Oui, sur le sein. De toute façon, quand on est joueur, on a envie de faire le maximum. C'est un peu ce que tu as envie de dégager ou envie de dire à tout le monde. Hein, d'y croire jusqu'au bout. Oui, jusqu'au bout. Et pourtant, il y a eu quand même des lancers francs ratés à des moments importants. Ouais. Hein, ça peut faire la différence. Ouais, moi, c'est, je sais pas. C'était pour le suspense. Ouais, je pense. J'ai raté deux, c'est rare. Bon, et puis ce soir, le public vous a quand même bien soutenu aussi. Ouais. Mais votre attitude fait que le public... Ouais, chaque match, le public nous supporte et puis on est très heureux qu'on nous supporte comme ça et contre ça.